Le prochain défi va vous demander de détruire des objets ou des structures en étant sous l'effet de l'anitro. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est de le faire à pied. Et la deuxième solution, c'est de le faire en voiture. Alors moi, je vous conseille quand même de le faire en voiture, ce sera plus simple. Mais je vais quand même vous expliquer que vous pouvez le faire à pied. Donc pour le faire à pied, pour obtenir de la nitro, vous avez aussi plusieurs solutions. Soit vous trouvez de la nitro comme il y a en face de moi. Ensuite, vous tapez dedans pour avoir de la nitro sur vous. Ensuite, quand vous avez de la nitro sur vous, ce que vous pouvez faire quand vous êtes à pied, c'est tout simplement courir sur les objets comme ça et les détruire. Mais vous allez devoir détruire 100 objets en courant dans des objets ou des structures pour les détruire et en détruire 100 au total pour terminer le défi. Donc c'est un peu complexe, c'est un peu plus compliqué de le faire à pied. Après, vous avez aussi la possibilité d'obtenir des aspergeurs de nitro hein, en allant parler au personnage qui se trouve plus ou moins par ici. Ici, je pense. Là, il y a un personnage qui vous vend des aspergeurs de nitro. Ou alors, vous pouvez aussi, par exemple, tuer le boss qui se trouve à Brutal Beach Head. Et là, vous obtiendrez le médaillon, comme celui-ci, qui vous donne de la nitro en illimité. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que quand vous avez la nitro en illimité, ben, vous pouvez foncer dans tout ce que vous voulez pour détruire 100 objets. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'utiliser des véhicules. Donc là, par exemple, j'ai le véhicule du boss. Donc les véhicules des boss, ils ont obligatoirement de la nitro sur eux. Et là, ben, vous pouvez tout simplement détruire tous les objets avec les véhicules en illimité. Et dès que vous en aurez détruit 100 avec ce véhicule-là, ben, vous aurez terminé le défi. Après, une autre chose que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous avez de la nitro et que vous êtes à pied, vous pouvez aussi détruire les structures. Donc vous construisez vos propres constructions. Et ensuite, ben, vous les détruisez avec, en sprintant dedans, hein, avec votre nitro. Et là aussi, ça validera le défi. Ou alors, la dernière solution qui est vraiment la plus simple, c'est de trouver un véhicule, trouver n'importe quel véhicule, et ensuite vous passez dans les anneaux qui arrivent juste en face de moi. Et ces anneaux-là vont vous donner un boost de nitro pendant un certain temps. Et là, vous avez juste à détruire toutes les structures que vous voyez devant vous, hein, que ce soit des barrières, des murs, des baignoires, tout ce que vous pouvez détruire, ce sera comptabilisé comme des objets ou des structures. Et quand vous aurez réussi à détruire un total de 100 objets ou 100 structures, voilà, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors, dernière petite astuce, pour que ça aille super vite votre défi, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un véhicule hein, et vous foncer dans les bâtiments comme ceci. Et là, vous détruisez tout ce que vous avez, tout ce qu'il y a sur votre passage. Et comme ça, vous allez pouvoir terminer le défi très facilement et très rapidement.